Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. La paix, mon Dieu, avec nous. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mes frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue dans la présence du Seigneur en cette belle journée et que le Seigneur, dans son amour infini, vous accorde ses multiples bénédictions. Et pour nos internautes sur la voie des ondes, nous vous souhaitons la bienvenue à notre service de ce matin. Je vous demande de vous mettre debout avec moi pour la lecture du psaume 100. Et après quoi, nous prions ensemble le Seigneur afin d'offrir notre adoration ce matin à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le psaume 100, ensemble pour la gloire de Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Prions le Seigneur. Humblement, cher Seigneur, nous rentrons en présence ce matin avec reconnaissance pour les multiples bienfaits qu'on a accordés nous. Après une longue semaine, nous sommes capables de rentrer, Seigneur, avec joie dans que nous et avec reconnaissance dans la vie nous pour nous capables de bénir nous ou qui saint. Non, cher Seigneur, qui méritait d'être loué, d'être glorifié, d'être magnifié. N'abandonne un bon message, cher Seigneur, envahis-nous par puissance Saint-Esprit au matin, qui va purifier, lève-nous, qui va purifier que nous. Et que Seigneur, adoration qui nous a offert le matin, va arrêter dans le sanctuaire, ça, mais il va monter vers trop nous comme un parfum de bonne odeur. Et en retour, grâce et bénédiction à déverser sur l'Église. Confiez-nous le même matin, cher Seigneur, qui va bénir nous. Et qui va fortifier, Seigneur, les cœurs qui te cherchent. C'est la grâce que nous te demandons ce matin. Au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul soit gloire, honneur et louange, dès à présent et éternellement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je vous demande de chanter avec moi les paroles du cantique que nous trouvons dans les chants d'espérance français numéro 25. Père, toi, montre notre hommage en Fils de Dieu, puissant Sauveur. Qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Le salut numéro 25 des chants d'espérance en français. Chantons gaiement ce matin pour glorifier le nom du Seigneur pour cette belle matinée.
Toujours debout et toujours dans ce même esprit. Nous allons continuer de chanter les bienfaits du Seigneur, toujours avec les chants d'espérance français, le numéro 22. Mon cœur te cherche au point du jour. Ô Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime et je vis de ton amour. Et toujours, chantons gaiement pour louer le Seigneur. Yeah.
attaché à toi et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence est mon bonheur. C'est ce que vous venez de chanter. Et toujours dans ce même esprit, nous allons vous inviter pour la lecture des psaumes 150. Et pour la gloire de Dieu, j'aimerais demander à notre servante, la sœur Michel, de bien vouloir passer par devant pour faire cette lecture pour nous, pour la gloire de Dieu, la lecture du psaume 150. Nous espérons qu'on va utiliser toutes les possibilités et Bible électronique pour qu'on soit capable de suivre ensemble avec nous le psaume 150 pour la gloire de Dieu. Amen. La lecture du psaume 150, nous croyons que ou déjà et dans la page là, pour la gloire de Dieu, en attendant l'arrivée de notre servante, la sœur Michel, pour la gloire de Dieu. Nous faisons ensemble, comme c'était déjà annoncé, la lecture du psaume 150. Louez l'Éternel. Louez-le, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Ensemble, louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Maintenant, chantons ensemble le numéro 98, les mélodies joyeuses, grâce infinie auquel beau temps. Grâce infinie. Ce matin, nous allons l'inviter pour aller devant le trône de la grâce dans la prière. Nous allons parler avec Seigneur Sauveur, que vous venez honorer matin en adoration. Mais avant de le faire, nous allons préparer que nous avec le numéro 207, toujours pour chanter les bienfaits de Dieu dans les chants d'espérance français. Dans le jardin où j'aime entrer, à l'heure où tous ceux de l'aurore,
je me rends seul pour rencontrer celui que mon âme adore. C'est le numéro 207 des chants d'espérance en français. Dans le jardin, oh, j'aime entrer à l'air de ce délouage. J'aime en seul pour entrer celui que mon âme adore. Il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Le temps que tu cherches, Seigneur, meilleur que les fruits de la terre, c'est l'offrande de tout. Il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Dans un moment, ça nous invite pour capable aller devant le Seigneur, devant le trône de la grâce, dans la prière, pendant que notre frère, ministre Marvin Destinoble, va nous conduire toute la grâce dans la prière. À nous disposer que nous, ensemble, nous pour aller devant le trône de la grâce. Disposer cœur et pour capable chercher le Seigneur dans la minute ça. Nous t'ai chanté, il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui, il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie à Créateur,
Dieu souverain, Dieu infiniment saint. M'atteignant avec un pile révérence, nous avancer devant le trône de la grâce pour nous capables offrir ou adoration nous et pour nous capables remercier ou pour tout bienfait ou fait à travers la vie nous. N'a demandé pardon premièrement pour péché nous yo. N'a demandé pardon pour iniquité nous yo. Parce que tu n'as pas relou. Aucun vivant n'est juste devant toi. Bien souvent, lorsque nous avons gardé, peut-être à travers la vie, nous sommes capables de remarquer pas qu'il n'y a rien pour nous demander pardon. Mais Seigneur, aidez-nous pour nous capables de reconnaître. Nous gardons nous la nature du péché. Bien souvent, nous péchons contre tout. Sans que nous ne rendions compte de ça. Et ça fait au monde, on a prié. Nous devons prier pour les péchés volontaires et les péchés involontaires. Bien souvent, Seigneur, il y a un péché qui nourrit dans le cœur. Un péché qui nourrit dans l'esprit. Qui rend nous paraître impurs devant nous. Sans que nous ne rendions compte de ça. N'a pas d'autant pris matin, dans miséricorde. Lavez-nous, purifiez-nous, nettoyez-nous, et fait que la vie nous capable pure devant. Et comme ça, nous va toujours être comme des vases d'honneur, la caillou, qu'on est capable d'utiliser pour service. Premièrement, nous lever le corps pastoral devant. Ces serviteurs que nous même choisi. Ou bayo cette grande responsabilité. Et nous connaît avec la chair ou le sang, yo pas capable mener bac travail ça. Mais nous déjà dit merci parce que vous prouvez nous que mes puissants tout et mes bénissants tout étaient longés sous yo au jour le jour. Et ou bayo la force qui est nécessaire pour capable continuer mener travail ça au bon port. Nous levez encore Seigneur. Le diaconat de cette église dans ma main. Napmando va continuer béni yo, rempli yo de sagesse et de compréhension, afin que ensemble yo capable avancer avec travail yo. Nous lever les ministères de cette église qu'on place dans la communauté. Napmando va continuer béni yo, et fait que chaque jour de leur vie, yo capable puiser dans ou la force qui est nécessaire. Parce qu'on dit dans la parole, sans ou même, nous ne sommes pas capables de faire rien. Nous levons encore, Seigneur, et les musiciens de cette église, nous disons merci pour don, pour talent, pour capacité qu'on baille. Et nous disons merci encore pour volonté qu'on baille, pour être capable de disposer pour ton service. Nous demandons, Seigneur, même si on fait l'appui de la première et de l'arrière-saison, tomber sur la planète, continuez. Déverser bénédiction sous yo et en retour yo même yo va glorifier nom. Nous levons encore Seigneur la jeunesse de cette église dans mon. N'a pas nous va bénir jeunesse là ou va bénir timonio. T'en prie, pas quitter train monde là pour te yo aller, mais n'a pas nous chaque jour écrit parole lou en lettre d'or sur la table de leur cœur et qu'on ça va rester gravé dans mémoire yo et on va grandir dans connaissance parole lou est devenu des serviteurs qui a propagé l'évangile de Jésus-Christ. Nous levons encore Seigneur assistance dans nos mains. Chaque monde qui était en paix présence ce matin qui était là dans l'école du dimanche, n'a demandé on va bénir ces bien-aimés qu'on choisit ou placer dans congrégation ça pour capable instruire nous avec la parole parce que sans la parole, nous pas capable servir au niveau qu'on voulait. N'a pas demandé va bénir et permettre que chaque jour de leur vie, ils sont capables de rester attachés avec vous. Et comme ça, ils vont apprendre plus de vous. Et on va partager avec la congrégation. Et comme ça, nous va grandir en connaissance jusqu'à nous va rentrer dans l'éternité bénie. Nous levons assistance dans mon matin. Chaque bien-aimé qui est déjà présent,
N'a pas de disposition de cœur afin que l'adoration que vous va offrir à vous-même soit capable de bonne qualité et en retour, ou capable de déverser grâce avec bénédiction sur la vie. Nous connaissons parmi nous matin, Seigneur, il y a plusieurs qui ont souffri, il y a une maladie qui a ravagé la vie. Nous. Mais nous connaissons, où c'est le médecin par excellence. Après où, pas de l'autre encore. Si vous voulez guérir nous, il y a un seul mot où va dire toute bagaille après rentrer dans l'ordre. N'a pas d'autant prix, permettre que Dieu la foi nous, chapeau la foi nous était ferme, afin que rien dans le monde ça, que des maladies, que des persécutions, que des difficultés, que les vicissitudes de ce monde, pas quitter rien déranger nous, mais aider nous, Seigneur, à toujours fixer nos regards en haut, parce que c'est de toi vient notre délivrance. Bénis-nous, matin, fortifiez chacun de nous, et plusieurs parmi nous, matin, capables de venir avec cœur à vide. Gens qui parmi nous qui viennent avec cœur désolé, mais n'a pas au Seigneur, ou même qui est habitué à faire provision pour l'église, ou capable d'utiliser serviteur matin, et par des paroles, qui est capable de reconforter la vie, et faire au sentir que présence est toujours avec eux. Parce que après résurrection, ou t'es rassuré nous, ou t'es dit disciples, je suis avec vous tous les jours, et ceci jusqu'à la fin du monde. N'a pas demandé au Seigneur, aidez-nous chaque jour pour nous capables de nourrir de paroles saillées avec espérance et que un jour, vous allez chercher nous pour nous rentrer dans la gloire. Nous pas oublier plus haut encore, Seigneur, matin, pour ce pays d'accueil que nous vivons. N'a pas demandé de bénir les dirigeants de ce pays. Saillées qu'on choisit ou placé en dignité. Peut-être là, dans un grand pile qui pas qu'on reconnaître grandeur. N'a pas demandé autant prier par ton Saint-Esprit. Ou capable de fléchir cœur devant, et ou capable de reconnaître tout comme le Dieu créateur. Et comme ça, il va remettre la vie totalement à vous-même. Et comme ça, le pays va continuer à connaître des jours heureux. Et nous-mêmes, bonheur nous dans le pays, ça, il est capable d'assurer. Nous prions encore, Matthieu, Seigneur, pour le ministère de l'Évangile qu'on place à travers le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'Orient jusqu'en Occident, du midi jusqu'au septentrion. Tous les pasteurs, tous les évêques, les diacres, les ministères qu'on place pour capable faire travail ça, nous connaissons, n'est pas facile, mais n'a pas demandé, comme on te promet, toi pas avec nous, et nous sûrs et certains, présents sous pape la guerre, les pays qui en guerre, n'a pas demandé au Seigneur, même lorsque il y a la guerre, ça y a, qui appartenu à vous-même, n'a pas demandé, tant prie, continuez, longez mes puissants tout. Et mes bénissant tout sous yo pour capable protéger yo et permettre que yo été ferme dans la foi. Nous pas capable oublier Seigneur pour nous prier pour notre cher Haïti. Yon pays Seigneur qui fin dévoré. N'a pas d'autant prie. Même Jean ont été fait pour Israël. Nous capable dire Seigneur, peut-être ces conséquences péché nous n'a payé. Israël te payé conséquences là pendant 500 ans. Mais prophète, yo, yo pas jamais découragé. Yo t'ai toujours été dans la prière avec espoir que yon jour ou va délivrer Israël. Et c'est ça qui fait vrai. Et je dis, on place Israël en dignité dans une position côté en pile grande puissance reconnaître la valeur d'Israël. Nous lever pays nous dans main. Nous reconnaître que grands-parents nous, nos ancêtres nous, yo t'ai fait en pile bagaille qui est contraire à ta sainte volonté. Nous avons pile l'abomination, la caille nous. Pays nous avons pile bagaille qui a fait, qui pas d'accord avec volonté. Mais on te dit, Abraham, si tu as joué 50 personnes qui bon, ou tu as délivré le pays. Nous croyons, nous sommes certes, Seigneur. Nous avons des pasteurs, des évangélistes, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont prié en Haïti. Nous avons d'autant prié, par force, par courage, pour être capable d'accepter le moment de souffrance. Avec certitude, un jour, on va faire intervention, on va délivrer Haïti. Et Seigneur, nous va chanter avec fierté, Christ pour Haïti. Bénis-nous, pas quittez-nous seuls. Bénis service la matin. Permet que chacun de nous capable de gagner des cœurs disposés. Afin que après service là, nous capable de recevoir en abondance provision qu'on t'a confié, serviteur pour nous.
et nous va dire même Jean et pour serviteur te dit oui il était bon pour nous la matin. Tant de cœur nous bénissons. Nous demandons toutes ces grâces Seigneur. Nous pas prions en qualité monde qui bon digne mais nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ notre divin sauveur à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Notre bon Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous mettez-nous debout sous pied nos matins à la gloire de Dieu. Yes. Nous mettez-nous debout sous pied nos matins. Nous balancer mes noms en l'air, nous même que bon Dieu fait grâce matin. Ou même que bon Dieu fait grâce matin. Nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. 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 Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. 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 Alléluia. 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 Chapeau bas pour Jésus, on nous dit ça. Honneur pour Anioa. Chapeau bas pour Jésus. Honneur pour Anioa. Chapeau bas pour Jésus. Honneur pour Anioa. Chapeau bas pour Jésus. Applaudis Jésus, ma terre. Alléluia. 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 Amen. Honneur pour Anioa. Chapeau bas pour Jésus. On a pas adoré avec tout cœur nos matins. Au nom de Jésus. Honneur pour Anioa. Chapeau bas pour Jésus. Ou même seul qui sait. Honneur pour Anioa. Chapeau. Seul moi adoré, alléluia, ou même seul moi.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Encore une fois, Seigneur, nous adorons. Nous adorons. Nous adorons. Nous adorons. Nous adorons. Nous bons gloire, honneur, louange au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous prions. Amen. Amen. Alléluia. M'a cherché. Moins besoin, plus que avant. Moins senti, non moins soif. Moins besoin, non yon l'autre niveau. Moins besoin, non yon l'autre niveau. M'a cherché, m'a cherché. Alors répond Dieu la terre. Moins besoin, avec tout cœur. Moins besoin. Moins senti, moins senti, non moins soin, non moins soin, moins besoin, n'ayant l'autre niveau, moins besoin, n'ayant l'autre niveau. Mais moins, Seigneur, grand goût pour présence sous, moins blé ou éloigné ou n'ayant l'autre niveau. Ma padoreo, ma padoreo,
Dieu, gloire matin avec mes ou avec mes ou avec bouchou. Matin, hallelujah, Jesus. We bless your name, Lord. We thank you for this morning. We thank you for this moment. We thank you for your grace and mercy. We thank you, God, for giving us life. Parce qu'on va nous la vie en abondance matin, on a adoré, on a exalté, on a glorifié, non, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Matin, on a demandé, Esprit bon Dieu, à qui puis faut, à venir contrôler l'atmosphère, si là, pour le capable nous, ça nous, que nous avons besoin, ça que nous désirons matin, ça nous cherché matin. On nous demande le Saint-Esprit de Dieu, pour le capable visiter au moment ça même, que le Saint-Esprit de Dieu capable de remplir la vie au moment ça même, que le Saint-Esprit de Dieu capable de marcher avec vous, si que vous en présence, Seigneur, matin, on pas senti cet esprit dans la vie, ou demandez cet esprit bon Dieu pour le capable contrôler la vie ou contrôler l'atmosphère là. Guérir ça qui doit guérir et libérer ça qui doit libérer au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Continue à applaudir pour Jésus, matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Esprit pifoua, Esprit Yahweh, Esprit mon lampe connaît. Esprit de la avant qui compte tout bagage. Esprit de Jésus dans la mort, vini contrôler l'atmosphère, si la guérit tout, ça doit guérir, libérer, ça doit libérer, vini contrôler l'atmosphère, si
celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le
saluer avec l'amour Jésus-Christ. Chita la gloire de Dieu pendant que nous honorons avec l'amour Jésus-Christ à matin, nous saluer, nous apprécier, nous embrasser et nous dire merci Seigneur. Est-ce que l'église a dit merci Seigneur? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Que Dieu vous bénisse tous. Que bon Dieu bénisse au matin. Que bon Dieu bénisse au matin. Alléluia. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous quoi? C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Alléluia, nous comptons et nous réjouis dans la journée ça qui c'est premier dimanche et premier dimanche dans le mois d'avril 2024. C'est avec un grand privilège, avec un grand honneur matin que nous saluons avec l'amour Jésus-Christ là et nous souhaitons la bienvenue dans l'église évangélique de l'Union chrétienne et qui est dirigée par Bishop Fred Ulysse. Et matin, nous sentons nous contents d'être capables de recevoir encore une fois, soit en direct avec nous ici là dans 144 Belmont Avenue, ou aussi virtuellement et dans YouTube, dans Facebook et dans Sermonette matin. C'est un privilège pour nous capables avec vous, nous dit bon Dieu béni. Amen. Amen, amen. Pour tout le monde qui est avec nous pour la première fois, nous comptons de ce que vous avez visité nous matin. Et si vous êtes en personne matin, c'est un moment spécial pour que vous capable de mettre debout et vous capable de faire connaissance avec l'Église, là, la gloire de Dieu. Et si vous êtes en ligne, vous capable toujours connecter ensemble avec nous à travers YouTube et Facebook et comme ça, nous va faire ça. Et à la gloire de Dieu dans Juyo qui a vini. Amen. Nous gagnons avec nous matin et nous va bailler au micro pour que yon capable de saluer nous à la gloire de Dieu. Et yon groupe de personnes qui arrivent ici pour la première fois. Can you please pass the mic to someone? Amen, 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 amen. On applaudit yon à la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Et nous gagnons un groupe de 7 personnes matin, 8. Amen. Qui avec nous, yon va saluer nous à la gloire de Dieu. L'Église, bon Dieu bénis nous. Amen. Nous, c'est famille Alexis. Donc, nous t'es invité par Pasteur et Rena pour que nous t'es capables d'adorer avec vous, matin, à la gloire de Dieu. Amen. Nous allons faire connaissance à Madame Autour ou bien on parle pour toute famille? Bon Dieu bénis tout le monde. Amen. C'est même famille, hein? Moi, c'est Sœur Alexis. Nous t'es invité par Pasteur Rena. Amen.
Amen, amen, amen. Et nous souhaitons bienvenue à Pasteur Alexis et qui œuvre en Haïti et peut-être qui est capable de connecter avec nous en plus. Et après service là, la gloire de Dieu. Amen. On applaudit le Seigneur pour présence famille ça. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous gagnons aussi notre sœur. Bon Dieu bénis nous. Amen. Non pas Monsieur Joanna Florent et moi content là avec nous aujourd'hui. Amen, amen, amen. Que bon Dieu bénisse ma sister. Attendez-nous bien, mais nous va connecter après service à la gloire de Dieu. Amen. L'église bon Dieu bénis nous. Amen. Moi dis bon Dieu merci pour être moi aujourd'hui à ensemble avec nous là. Mais c'est famille, l'amour qui invite moi dans l'église ensemble avec nous. Amen. Nous pas ba nous non. C'est Morin Ecclésias. Morin Ecclésias. Que bon Dieu bénisse. Amen, amen, amen. Amen. L'église bon Dieu bénisse. Amen. Moi c'est Wisley Lamour. Moi membre l'église Baptiste Lumière et Paix qui est dans Inch Haïti. Mais l'homme ici moi adoré avec Assemblée de Dieu de Sainteté qui sous direction pasteur Franz Mangoua. Moi j'ai gain opportunité rencontrer pasteur Ulysse avec madame Lee et moi j'ai recevoir invitation bien entendu pour m'être là depuis semaine pas clair mais même pas de chance là. Moi content là ensemble avec nous aujourd'hui. Bon Dieu bénis nous encore. Amen, 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 amen. Amen. L'église, la paix bon Dieu avec nous. Amen. La paix bon Dieu avec nous. Amen. Moi-même, moi c'est frère Adnel Amou. Moi fais partie étudiant qui a étudié anglais chaque samedi. Et bon ici là. Et c'est un plaisir pour moi avec nous. Et moi-même, moi c'est membre de l'église AM de Inch. Ça c'est Haïti. Et comme ma peine vini, beaucoup gon l'église directement que m'a affilié avec lui. Mais côté Watson menem, Watson l'amour c'est frère. Côté le menem suivi lui. Et jodi a m'te décidé vini et puis il décidé vini avec moi pour m'te visiter nous. Et c'est un grand plaisir pour moi pour m'ensemble avec nous. M'sentim dans la joie, m'sentim la caille moi que bon Dieu bénisse nous. Amen, 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 amen. Que bon Dieu bénisse la famille l'amour, la famille Alexis et aussi sœur nous qui a visité nous matin, on applaudit encore une fois, ça fait plaisir. C'est un privilège pour nous capable recevoir dans premier dimanche et si que ou ta remet en l'église pour marcher, pour persévérer, nous inviter ou capable et ben nous toute information concernant nous capable faire suivre ensemble avec vous et capable dire aussi que vous rencontrez avec l'église évangélique de l'Union chrétienne, ou absente ou bien. Et ou absente ou dans place, ou absente ou la caille. Amen. Amen. Nous chantons à qui les beaux de voir des frères de même amour unis entre eux. Pendant que nous disons merci avec la famille l'amour, frère Watson, se renonne, que bon Dieu bénisse nous abondamment ma terre. Amen. Amen. Nous mettons nous debout. Visitez nous, Maître Téchita. À qui les beaux de voir. Leur chant
mettez debout pour nous-mêmes, s'il vous plaît. Et on a fait appel avec la sœur Winnie qui va lire pour nous Romains chapitre 6, du verset 1er au verset 11, en créole. Romains chapitre 6, verset 1er au verset 11, à la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse au matin. Romains chapitre 6, verset 1er à 11. C'est la lecture là, nous va joindre pour matin. Et m'a fait lecture ça pour nous en créole, comme ce venant sort annoncé. Romains chapitre 6, verset 1 à 11. Nous mourir en égard péché, mais nous vivons pour Christ là. Dans condition ça, qui ça n'a dit? Est-ce que nous mettons continuer à vivre toujours dans le péché pour faveur bon Dieu a qu'à vivre plus toujours? Non, ça pas qu'à fait. Pour qui ça? Parce que en égard péché nous mourir, qui j'en pour nous continuer à vivre toujours dans le péché? Est-ce que nous pas comme ça? Nous tous qui recevons baptême pour nous faire yon avec Jésus-Christ, avec baptême ça, nous te fait yon avèl dans la mort. C'est ça que fait avec baptême nous, nous te entré ensemble avèl, nous te mouri ensemble avèl tout. Mais même Jean papa te fait lever sorti dans la mort avec gros force pouvoir li comme ça nous même nous ka mené yon l'autre la vie. Même Jean nous fait yon ak li parce que nous te mouri yon jan tan kou li même li te mouri a konsa tout n'a fait yon avec li parce que n'a levé sorti vivant dans la mort tan kou tout. Nous konn sa bien vieux moun nou te enfant sa mouri avec Christ la sou kwa konsa sa nou gen encore nou ki te konn fè nou péché a fini nou pas esclave péché encore. Le yon moun mouri, li délivré en bas pouvoir péché ya. Si nous mouri ensemble à Christ là, nous kwè n'a va vivre tout ensemble avec lui. Nous connaît Christ là té levé sorti vivant dans la mort. Li pa gen pour mourir encore. La mort pa gen aucun pouvoir sous lui. L'œil té mouri, c'est pour péché li té mouri. Li mouri yon seule fois. Li pa jamais mouri encore. Kounye ya, la vive, c'est pour bon Dieu la vive. Kon sa tout, nous même considéré tête nous tant qu'un monde qui déjà mouri en égard péché et puis cap vive pour bon Dieu ensemble avec Jésus-Christ. C'est la lecture arrêtée pour pleine édification dans chacun de nous qui la matin hein? Que bon Dieu bénisse. Mes frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. C'est une joie pour moi, une grande joie de vous accueillir à la maison du Seigneur en ce beau dimanche du mois d'avril. Et c'est aussi pour moi un privilège de vous inviter avec nous ce matin à la table du Seigneur. Et il est arrivé que nous avons des visiteurs parmi nous ce matin à l'église. Et si vous n'êtes pas en conflit avec votre église locale, je vous prie de bien vouloir et prendre part avec nous ce matin à la table du Seigneur. Je vais vous inviter de chanter avec moi dans les chants d'espérance créole, le numéro 51. Et on sous tout plein accent, c'est le sang de Jésus. Péché qui baigne la donne sorti sans tache et puis. Yeah.
Avec moi les paroles du psalmiste David dans le psaume 51 afin de confesser nos fautes au Seigneur. Le psaume 51, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Faites donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysopte et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Donne-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Enseigne tes voies à ceux qui les transgressent. Les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne délaies pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors on agréera des sacrifices de justice, des holocaustes, des victimes tout entières. Alors on offrira des prières sur ton autel. Amen. Prions Dieu en silence dans votre cœur avant de prendre ce repas pour la gloire de Dieu. Son nom, la
son nom la gloire. Quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Même après avoir soupé, Jésus prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Maintenant que chacun de vous s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe, en celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et beaucoup de malades et qu'un grand nombre sont morts. Mes frères et sœurs, nous venons en présence Seigneur matin, non pas pour que nous capables et fait justement pour que nous capables manger comme on coutume, mais nous justement venir comme un symbole pour que nous capables continuer commémorer la mort et la résurrection du Seigneur et surtout et cet engagement que nous prenons ensemble pour que nous capables prêcher l'évangile et faire le monde connaître que Jésus-Christ a vivant encore dans la vie nous et il est le source de l'espérance. Prions ensemble ce matin. Céleste Père, nous venons en présence ce matin, nous disons merci parce que nous avons cette opportunité encore, nous sommes capables de rentrer la caille avec joie dans le cœur. Oui, Seigneur, comme mon seul corps, un corps, oui, Seigneur, mis à part pour ton service. Merci, Seigneur, pour tes enfants, oui, Seigneur, qui sont dans ta présence ce matin et qui voulaient encore une fois réitérer l'engagement que tu prends pour que tu sois capable de représenter dans un monde dévasté, ça, cher Seigneur. Apprends de réunir l'Église au matin et fortifier surtout ça et décourager. Parce que vous êtes capable de rester fermement attaché, Seigneur, à ton service. Bénis, Seigneur, ce repas que nous allons prendre ce matin. Par ton Saint-Esprit, cher Seigneur, transforme, Seigneur, Dieu, ce repas en une source de force et d'énergie qui va nous amener, nous encourager et de vivre, Seigneur, plus près de toi chaque jour. Merci, Seigneur, pour cette opportunité. Et encore une fois, cher Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté dans ton Église, dès à présent et pour toujours. Amen, amen, amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Retire de moi, Dieu, des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné.
je serai plus blanc que la neige. Mon péché, tu très saint, grand pour moi. J'ai besoin d'être délivré à cette heure où lève-moi. Sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc. Souper, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit ceci, et mon corps rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Mes frères et sœurs, en mémoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mangeons ensemble au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Et de même, Jésus prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, le sang d'une alliance éternelle. Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, par son sang coulé à la croix pour nous sauver, pour nous délivrer de nos péchés. Buvons ensemble au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit vers les sentiers de la justice à cause de son nom. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Prions Dieu avec Pasteur Venin. Amen. Seigneur Dieu, encore une fois, nous réunis en présence au après-midi et nous disons merci pour le lien fraternel qui unit nous-mêmes chrétiens à chaque fois que nous songeons la mort avec résurrection, Seigneur Dieu. Nous capables de partager le pain et nous capables de boire du vin ça pour nous songer la mort, résurrection, ascension et retour. Seigneur matin, nous avons réjouis parce que nous connaissons cet esprit ou là parmi nous. Et nous connaissons aussi les anges dans le ciel qui ont réjouis parce que Seigneur Dieu gagne place qui est réservé pour nous. Nous pouvons être avec yeux, nous. Mais où dis-nous que yeux pour que j'en moue, oreilles pour que j'en entende, pour que j'en monte sous que l'homme place avec surprise qu'on réservé pour nous dans le ciel. Seigneur Dieu, pendant que nous sous terre à matin, nous demandons pour capable mettre dans nous-mêmes l'amour, pour capable mettre dans nous-mêmes la joie, pour capable mettre dans nous-mêmes, Seigneur Dieu, une abondance de toute bénédiction que nous avons cherché, Seigneur Dieu, surtout dans le temps difficile, surtout dans le pays, surtout dans l'époque. On va bénir tout le monde, Seigneur, qui l'a matin et qui mette main au Seigneur Dieu dans la communion ça, et qui participe là-dedans. Que nous capables d'être unis, Seigneur Dieu, non seulement sous tes ça, mais jusque dans l'éternité. Et nous sommes capables de continuer encadrer, développer et guider l'Église évangélique de l'Union chrétienne en qualité, en quantité pour gloire nous. Et nous allons arrêter marrer ensemble avec code qui n'est pas cassé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, allez servir le Seigneur avec joie et pensez aux besoins et à tous ceux qui sont défavorisés, qui ont besoin de la présence du Seigneur, ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin de la force de vivre. Allez servir le Seigneur avec joie. Bon dimanche dans le Seigneur. Bon Dieu avec vous. Et sans perdre de temps, nous pour aller rentrer dans le service offrande avec 10 matins. Hein? Et nous disons bon Dieu merci pour le moment spécial que nous passons dans la présence et dans la communion, service ça que nous sommes gagnés. Et nous voulons faire connaître que l'Église évangélique de l'Union chrétienne et nous a avancé et après de et 39 ans de, d'existence. Et que bon Dieu mette dans la communauté pour nous capables de faire la différence. Et dans tout ça que nous avons fait. Donc, nous demandons si que ou pourquoi vous membres de l'Église et vous avez affilié avec l'Église évangélique de l'Union chrétienne. Et tout de suite après service, là, vous êtes capable de garder Diacre Nouyo qui est devant. On va parler ensemble avec vous et conseil vous va faire toutes indications nécessaires aux besoins pour être capable de membres de l'Église évangélique de l'Union chrétienne. Et aussi, si vous avez un monde qui est l'Église là, mais qui peut baptiser. Et qui t'a remis aussi participer dans les affaires de l'Église. Et nous demandons aux capables aussi de jouer avec vous et pour que nous capables d'inscrire parmi les personnes qui t'a besoin de recevoir instruction pour baptême. Donc, que bon Dieu bénisse et activité de l'Église, il a toujours été de même. Et chaque dimanche matin à 10h30, nous avons l'école du dimanche. À 11h30, nous avons un service d'adoration. En dimanche soir, nous n'avons pas gagné un service dans l'église là parce que nous sentis que famille yo doit passer tout temps ça ensemble après que vous passez une semaine à courir ça et là et famille yo gain temps pour que yo capable rester et développer et ensemble relation spéciale que yo besoin et nous recommencer activité l'église là dans lundi matin à partir de 5h du matin avec la manne du matin. Donc c'est Bishop Fred Ulysse, c'est lui-même qui fait première prière et pour journée hein, avec l'église là chaque matin de 5h pour 6h et quoi que information ça au capable joindre yo et dans en bas écran qui a passé
et côté que vous capable jeune indication numéro ligne de prière là et côté que vous capable et connecter avec nous chaque matin 5h du matin et à chaque midi à 11h30 nous avons un service spécial et côté que nous prions avec l'église là si que vous pas connecter le matin et nous gagnons diaconio avec diaconesse nous avec membre l'église yo qui chantait qui priait qui prêchait et qui ba nous la parole. Et chaque lundi soir, nous avons une prière spéciale de délivrance avec Sœur Nous et Sœur Michel. Chaque mardi soir, nous avons une étude biblique à 7h30, toujours soulignant avec Bishop Fred Ulysse, et qui est suivi par la prière pour l'Église. Chaque mercredi soir, soulignant à partir de 8h, nous avons un service spécial des dames et qui commence à 7h et qui continue à 8h pour 9h30. Chaque jeudi soir, nous avons une prière spéciale pour ministériaux et pour pays d'Haïti. Et que nous focus avec activité et tout ce qui a passé dans le pays à partir de 8h pour 9h30. Et chaque vendredi soir, nous gagnons sous ligne de prière là et un service spécial de maison en maison. Si que vous avez aimé que nous baillons service là, quand vous ne pas déplacer, mais vous êtes sous ligne. Et nous va gagner toute l'église là qui va ensemble avec vous en ligne et qui va prier ensemble avec vous et qui va passer un moment spécial avec vous de 8h à 9h30. Nous voulons faire connaître que chaque samedi matin, et nous voulons retourner avec un jeune nous dans l'église là chaque samedi matin. Et nous sommes capables de préparer où hier nous avons gagné un moment de l'appui. Et nous connaissons que il y a un pile de monde qui a raté l'occasion que nous avons gagné hier soir l'église là. Donc nous demandons pour capable commencer à faire effort pour capable jouer nous ici là dans l'église là, chaque samedi matin à partir de 9h. Et nous voulons faire connaître que COVID fini. Et confort dans l'ignan, li bon, c'est vrai. Mais nous besoin servir bon Dieu ensemble. Amen. Pas en privé la caillou seulement, mais ensemble. Donc nous voulons timidement retourner tout le monde à l'église là. Amen. Donc chaque samedi matin, nous avons gagné jeûne de prière là à 9h du matin, l'église là. Et nous allons commencer à habituer avec ça. Parce que nous va et au fur et à mesure déconnecter sous l'ignan jusqu'à ce que nous ne pas connecter sous l'ignan encore le samedi dans l'église là directement. Donc nous voulons que vous preniez note de ça et que vous soyez capable de venir et participer ensemble avec nous. Nous avons aussi en classe ISL nous et qui a continué. Jusqu'à présent, nous avons toujours quelques places qui l'ouvrent pour les gens qui veulent participer. Si vous connaissez que les gens dans la communauté qui ont besoin de ça et qui vraiment a besoin d'apprendre anglais, nous gagnons, nous connaissons que liste communautaire les surchargée, les saturée, pas de place encore. Donc l'église évangélique de l'Union chrétienne fait le devoir pour que nous capables d'ouvrir porte nous bah tout le monde dans la communauté a qui besoin d'apprendre anglais et aussi recevoir des services sociaux avec Gensio qui tout partout dans Brockton pour que ou capable connaître comment ou capable naviguer système là, ou capable comprendre qui côté pour aller, qui monde pour parler et qui service que ou joindre et qui genre de service qu'on capable joindre par rapport avec dans situation courrier dans moment ça parce que chaque monde dans une situation spéciale différent de l'autre. Donc comme ça après classe Estelio nous gagnons des temps de consultation que nous fait et avec monde qui gagne expérience qui capable aider nous naviguer dans le domaine travail, dans le domaine application, dans tout ça qu'on a besoin. Donc, c'est chaque samedi de 10h pour 1h. Donc, que bon Dieu bénisse nous. Je crois que c'est toute annonce que nous gagnons pour nous-mêmes. Après service, ça, nous avons seulement 2 minutes et pour que nous soyons capables d'avoir d'autres annonces qui sont un peu différentes, qui n'ont pas besoin d'aller en onde. Et comme ça, nous tous nous capables de comprendre tout ça qui a passé. Et dans l'église évangélique de l'Union chrétienne. Donc, que bon Dieu bénisse abondamment et prépare dans le moment ça, 10 mots avec offrande pour que vous soyez capable de servir bon Dieu et dire merci pour ce maintenant, pour travail là, pour santé là, pour tout ça que vous faites pour vous-même et pour présence dans la vie. Ou pas gagner l'argent pour payer, ou pas gagner rien pour bailler, mais seulement dit Jésus, mais que moi, et mais ça que me gagner, mais ça que me porter. C'est juste ça qu'on peut faire dans le moment ça. Et maintenant, nous sommes capables de faire mes yeux pour nous-mêmes, pour nous capables de prier le Seigneur pendant que Diakno Evans est capable de passer devant et chanter à la gloire de Dieu. Seigneur, Papa, qui est dans le ciel là, nous disons merci matin. Et dès que vous remplissez-nous avec l'Esprit. Et nous sentons nous plus forts, nous sentons nous plus jambes dans la présence.
Merci Seigneur Dieu d'est-ce que on va continuer à développer l'église évangélique de l'Union chrétienne en qualité et en quantité pour gloire non. Matin Seigneur Dieu, pendant que nous campons, nous parlons porter vini offrande avec dîme au Seigneur Dieu. Nous connaissons que vous demandez nous pour nous mettre à l'épreuve pour nous aussi que au pas ouvrir porte ciel là et jeter bénédiction pour nous en abondance. Et nous croyons, Seigneur, que parole yo c'est oui et amen. Tout ça que ou dit avec bouchou, mais ou accompli, Seigneur Dieu. Et nous gain preuve yo que Seigneur a toujours fait, ou déjà fait, et ou a continué fait. Maintenant, Seigneur Dieu, nous faisons confiance, parce que à chaque fois que nous plantons graines dans le jardin, nous recevons 100 fois plus. Et c'est peut-être ça nous croit que matin, Seigneur, tout ça que nous va planter dans le jardin, la caille, Seigneur Dieu. Bénédiction, il va pour famille nous, il va pour l'église là, il va pour communauté là, et il va pour tout le monde, Seigneur Dieu, qui va participer là-dedans. Nous prions au Seigneur Dieu aussi pour le message de ta parole que nous pourrons attendre. Que Seigneur Dieu est capable d'utiliser serviteur au Seigneur Dieu et parole qui va sortir dans la bouche et méditation qui va sortir dans le cœur, capable acceptable pour vous-même, Seigneur, maintenant et rédempteur. Nous prions non pas parce que nous sommes bons et nous dignes, mais c'est dans nos petits touches Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Prévaro pour louer le Seigneur avec ça que ou te pote dans valise ou dans poche ou bien dans téléphone et ou même qui online et si que vous voulez participer avec nous bien numéro en cap passer dans bas écran Zelle Kacha PayPal l'église et n'a demandé que pour nous vraiment prier pour Haïti actuellement et surtout dans zone qui un peu dans pas une zone spéciale Haïti encore et pour bon Dieu faire quelque chose. Amen. 47 rêves en nous chante d'espérance. Mais quoi, c'est pas loin, mais là. Oui, auprès du Seigneur,
accouchant. Oh, que ton nom soit sanctifié, c'est Adonai. Depuis le soleil, le vent. Amen, amen, jusqu'à son couchant. Que ton nom soit sanctifié. Levez vos lits à ma terre, c'est Adonai. Dégagez, dégagez. Levez vos fermiers, sortez ça. Jusqu'à son couchant. Que ton nom soit sanctifié. C'est Adonai. Adonai. Frappez mon voix, Adonai, ma terre. Frappez mon voix, Adonai, ma terre. Frappez mon voix, Shekinah, ma terre. Frappez mon pouvoir des rois, le Seigneur des Seigneurs. Frappez-moi en gloire à Jésus. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Loi béni le nom du Seigneur, levez main en signe de reconnaissance, en signe d'honneur. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On nous ensemble dit gloire à Jésus. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Loué soit Adonai. Loué soit Adonai. Loué soit Adonai. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Et dans le moment ça nous invite pour capable prendre la Bible ensemble avec nous. In this church, can you please, in this church, we honor the word of God. Nous mettons la parole du Seigneur à l'honneur dans la maison du Seigneur. Et au même qui vient à ouvrir le cœur pour que le Seigneur soit capable de parler avec vous. Don't just use the Bible as a just a book. But c'est la parole de Dieu, c'est la parole qui délivre, qui guérit, c'est la parole yes, qui fait vivre. Et dans le moment sans si nous ne levons le plus haut que tête, on dit merci Seigneur pour la Bible. Parole, qui c'est force moi, qui c'est soutien moi. Qui c'est assurance moi, qui c'est délivrance moi, qui c'est protection. Avec parole ça, m'a fait volonté, m'a obéi, m'a respecté. Parce que toute sa parole dit mieux, c'est ça mieux. Toute sa promet moi, c'est ça me joindre. Avec toute liberté, viens nourrir moi avec parole. Et me dit au nom de Jésus, avec un peu de conviction, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais-moi je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec parole ça, m'a toujours pi bien. Moi pas chambre pi mal. Comme dit gloire à Jésus. 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 Frappez mon bout Seigneur sous avec ce que dit là. Frappez mon bien fort avec statement ça qu'on fait là. Cœur dit gloire à Jésus, bénis le nom du Seigneur pour la parole que le bas au matin. Et before you make your position to your sitting position,
I'm going to ask you to please join with me in the book of Romans 5. Romains chapitre 5, chapitre 6, excuse-moi. Romains chapitre 6, du verset 1er au verset 11. Romains chapitre 6, du verset 1er au verset 11. And I'm going to be reading for you from verse 5 to verse 11. Et je vais faire lecture pour du verset 5 au verset 11. And I'm going to be asking Pastor Verna to please come forward and to please make the same reading for us in English and for the English speaking folks with us this morning. And du verset 5 au verset 11. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Or, celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Please remain standing while Pastor Verna will be coming forward with the English version. Romans chapter 6, 1 to 11. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Or do you know that as many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Therefore, we were buried with him to baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. For he who has died has been freed from sin. Now, if we died with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over him. For the death that he died to sin once and for all. For the life that he lives to God. Likewise, you also reckon yourself to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Amen. Now you may be seated. Kapab chita nan prezans bon Dieu. Encore une fois, nous contents du fait que la kay bon Dieu matin. Et il te gagne yon assignment, il te gagne ou nan plan ni matin pour que tu es capable de venir et vivre
et de sa grâce et aussi quitter le parler avec cœur. Je dis à The title of my sermon today is Living a New Life. Vivre une nouvelle vie pour Christ. Vivre une nouvelle vie pour Christ. We are on the first Sunday after the resurrection. Premier dimanche après la résurrection. Et ça fait nous penser en pile bagaille pour nous-mêmes qu'à vivre jeudi. Ça fait nous penser que nous libérer. Amen, l'église. Please be with me, walk with me. On marche ensemble avec moi. Ça fait nous sentir vraiment que nous libérer. Nous libérer, nous pas esclaves, péché encore. Mais nous sait, nous délivrer et nous libérer par le sang de Jésus, par la victoire que nous a remporté Jésus-Christ à la croix. Amen. Par sa résurrection d'entre les morts. Peut-être pour un peu le monde qui attendait, qu'on y a, ça capable pas faire sens pour eux-mêmes. Mais ils sont capables de dire, pour ça que vous passez dans la vie, pour côté la vie, vous soit peut-être avec un diagnostic de cancer. C'est peut-être pas tout le monde qui est là, qui a déclaré qu'on fait cancer, mais il y a un peu le monde qui fait cancer. Et ils prennent courage à deux bras, ils allaient dans le traitement pour cancer ça. Là que tu recevoir le diagnostic, ça, ils connaissent la mort. Il y a des gens qui recevoir le diagnostic que. Ils ont fait cancer et de slowly dying. Lentement, ou ils ont commencé à recevoir une nouvelle là et puis ils ont commencé à mourir dans le visage. Yo. Nouvelle yo a sorti du côté de l'Angleterre avec une nouvelle côté que et roi Charles II et Charles III, excusez-moi, à cause du cancer pratiquement qu'il fait, nouvelle yo a venu dans la news côté que ouais que la descend rapidement. Mais ça, nous connaissons, c'est humain. Mais qu'on paraît qui est important. Là, qu'on prend courage, ou à deux bras, ou à aller dans le traitement ça, ou à prendre le traitement ça, et le Seigneur faut arriver dans le fin traitement ça, et puis au fond d'un test pour vous, et puis docteur Adouron ça, you're free from cancer. Pas qu'un cancer encore, nous faisons tout diagnostic, pas qu'un cancer encore, même côté, hein, ou recevoir nouvelle ça, ou sentir une nouvelle vie qui commence pour même encore. Peut-être ça paraît, il faut même jouer un peu l'histoire de monde qui passe dans la catégorie ça. Et très certainement, où est à vivre aujourd'hui, où est visage au replay. En pile fois, ce n'est pas seulement traitement, mais moralement. Et dans l'esprit, il fait ressentir que il n'y a pas mourir, mais à vivre. À cause du traitement, ça que il passe la donne. Et ça fait que il senti à vivre la vie rentrer sur yo. Nous devons mourir après la désobéissance de nos premiers parents. Le péché est rentré dans le monde et fait que nous éloigner, nous couper de la présence de Dieu. Le péché envahit nous. Fait que nous pas capables que mes yeux nous fixer sur bon Dieu. Nous pas capables faire bon Dieu plaisir. Nous pas attendre voir il est que le parle ensemble avec nous. Nous pas vivre parce que le péché vraiment envahit nous. Mais autant marqué Jésus-Christ, il avait pris la décision de donner sa vie pour nous. Amen l'église. Il va à la ville pour nous-mêmes. Et il dit nous qu'on s'accueille, lui retirer condamnation, ça que sur nous-mêmes, non. Avec quand et conséquences que nous devons payer pour pécher nous, yo. Mais Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés. Il n'est pas seulement mourir, mais le ressusciter pour le valider pour nous-mêmes la vie. Pour le valider la vie pour nous-mêmes. Et puisque le valider la vie pour nous-mêmes, nous sommes capables de dire, nous pas. Esclaves, péché encore. Péché, pas tuer nous encore. Péché qui a détruit quoi nous, certes. Mais nous avons la vie pour nous. Amen, l'église. Bah, les personnes viennent aussi dans la présence de bon Dieu pour venir comme désespérés. Pensez avec la résurrection de Jésus-Christ. Et comment ils bannent une vie nouvelle. Ils ont vie qui est pleine d'espoir. Ils ont vie côté que. Nous sommes capables de vivre li, sans que nous ne connaissions pas d'où rien. Nous sommes capables de vivre li, chaque jour.
It was a given. C'est un cadeau. Un cadeau que nous recevons, que nous pas capables d'acheter. Un cadeau qui fait valeur nous. Le sang de Jésus. Que monde qui est fier du sang de Jésus, je dis. Ou fier de sang de Jésus, parce que sans ça, yes, il valide nous pour toute la vie, nous. Mais il y a un bagage qui est très important. L'apôtre Paul est allé à Rome, dans le livre de Romains. I'm going to ask you to please keep your Bible with me. Prends Bible de grâce, ok? Spécialement, les gens qui manient l'électronique, ou bien keep your electronic Bible. En plus, nous venons pour nous attendre des stories, but we do not go, want to go to the book, ok? Faut nous rentrer dans la parole, là. Amen. L'apôtre Paul a prêché l'évangile. Même gens que l'évangile, ça est pour moi avec aujourd'hui. Pour nous prêcher l'évangile, ça. L'évangile, nous avons pouvoir là-dedans. Nous avons puissance là-dedans. Parce que les gens qui nous l'évangile, ça, la vivre. Amen, l'église. Et Paul te recevoir, mais ça, l'aller à Rome. Et dans Romains chapitre 10, il mettait les conditions qui sont capables d'aider nous pour que nous soyons capables de commencer une nouvelle vie ça, avec Christ. Peuple, au moins, tu dois connaître comment tu dois vivre une nouvelle vie ça. Et si Paul est capable d'aller, c'est que lui-même il a vivre une vie ça aussi. Parce que ça a gagné. Ça n'a pas gagné. Ou pas capable. Are you agree with me? D'accord avec moi? C'est que Paul a gagné la liberté que tu joigne par le sang de Jésus. Et il arrivait à Rome dans le verset 9 du chapitre et dans le verset 9 du chapitre 10. Mais ça, Paul dit, il dit, si nous confessons, si tu confesses de ta bouche, excuse-moi, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, des morts tu seras sauvé. Sous quoi dans le cœur pour commencer une nouvelle vie, ça. Pour qu'on soit capable de vivre tout bon. Il faut croire que Jésus a vivre, je dis, a ressuscité. Ces conditions capables d'aider pour qu'on soit capable de pas perdre dans la caille, dans la présence. Li. Pour qu'on ait une connexion. Ou connecter tout bon. Ce n'est pas words, ce n'est pas sound qui connecte ensemble avec lui. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui connecte ensemble avec lui. Est-ce qu'on l'a fait, frères et sœurs? Yes! Si vous croyez dans le cœur que Jésus-Christ est ressuscité de mort, tu seras sauvé en un mot. Très certainement, nous pourrons mourir. Mais nous n'avons pas peur de la mort encore. Parce que nous jouons la vie en Jésus-Christ. Et Paul continue de dire, car si en croyant du cœur, si c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, il faut confesser, il faut dire, il faut que ou déclarer ce que vous proclamez, tout ça que qui pour ou déclarer qu'on gagne, amen l'église, tout ça qui pour reconnaître qu'on gagne, ou qu'on met en souli ou déclarer qu'on gagne, ou pas faire semblant qu'on gagne, mais prouver qu'on gagne. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde qui est désolé, un monde qui est dévoré, un monde qui est totalement désespéré. Et c'est le moment que moi-même, nous ne pouvons pas arrêter à dormir encore. Nous ne pouvons pas arrêter dans les faire semblant. Dans le moment que Haïti a traversé jeudi, moi, j'ai un pile appel qu'a fait pour lever camper. Un pile appel qu'a fait pour lever camper parce que, comme une nation nous a entravé, la vie nous est censée presque exterminer comme une nation. Et bien, ils ont tout un. Ça que vous capable de brûler, ils ont une sorte de prise de conscience, si vous voulez me brûler dans ça, qu'a fait pour tout le monde lever camper. Et dans le sexe, surtout pasteur, et docteur, bishop, whatever, comment brûler, ils doivent lever camper. Ils disent pas seulement à prier, mais il faut lever camper pour la liberté. Pour la liberté, pour lever camper, pour la justice. Amen. Parce que la résurrection de Christ, c'est pour qu'on capable camper pour toute bagaille ça. Pour quelle raison? C'est parce que l'espoir est perdu. Mais avec Christ, nous capable de dire, il y a espoir que ça capable de changer. Ça capable de changer. Ça capable de changer. Parce que la résurrection de Christ, c'est toute liberté ça. C'est toute freedom ça que le banou, mes frères et sœurs.
Lorsque l'évangile est arrivé à Rome, Paul reconnaît que le peuple a souffri, a été opprimé avec la royauté qui était du côté de Rome. Mais il était gagné. L'évangile qui a une puissance. Comme il dit, l'évangile, c'est puissance, bon Dieu. Et il dit ça pour saluer tout le monde qui croit. Faut croire la dernière. Et là, qu'on croit, il y a ou commencez par vivre. By confessing Jesus Christ as Lord and Savior. Pour déclarer tout bon que Jésus Christ, oui, c'est le sauveur du monde. Parce qu'il a sauvé la vie. Et aussi, il y a deux beaucoup capables. Aider l'autre beaucoup capable de croire. By believing that God raised Jesus Christ from the dead. Il n'est pas mort encore, mais la vive. Et la vive pour moi-même. Amen l'église. Je dis à mes frères et sœurs, pas marcher avec désolation dans le visage. Non. Pas quitter Christ prend honte, mes frères et sœurs. It's time to prove who you are. Qui soyez et qui ça que vous représentez dans la famille de Dieu. Paul te prend sa responsabilité. Mais dans le texte que nous sommes fait lecture la dernière, l'hypothèse en deuxième point. But what does this new life means to us? Qui ça que nouvelle vie ça? Qui ça que le voulait dire pour nous-mêmes? Je dis à grand pile façon qu'on capable prouver lui. Grand pile façon qu'on capable prouver lui. Faut capable prouver qui ça lié pour nous-mêmes. Faut témoigner. Je veux dire pas qu'il témoignage encore. Tout le monde pas témoigner encore. Mais je dis à faut qu'on commence avec témoignage qui pipiti dans la vie ou là. Pour dire ça c'est Jésus qui fait. Ça pas que l'autre qui te fait pour moi, c'est Jésus. C'est le moment pour prouver, dans le moment de désespoir, ça, avec tout le monde qui est désespéré. Il y a une personne qui désespère pour maladie, mais il y a un monde qui désespéré à cause de séparation. Il y a une séparation qui fait dans le monde aujourd'hui. Physique. Parce qu'il n'y a pas de séparation physique. You can feel it. Mais il faut en mettant tout le bagage ça. Il y a un message à partager. But what this means to us? À partir du verset 5, l'apôtre Paul dans le chapitre 6, il dit en effet, si nous sommes venus, si nous sommes devenus une même plante hein, avec lui par la conformité de sa mort, à cause yes, de la mort de Jésus-Christ, nous-mêmes nous conformons, nous, yes, nous mollis, mais aussi nous capables de conformer nous dans la résurrection de Christ. Là. Amen, mes frères et sœurs. Donc, en mettant désespoir, ça, it means to us that nous unis avec Jésus-Christ dans la mort. Amen, mes frères et sœurs. Nous unis avec Christ dans la mort. Nous ne pouvons pas mourir, mais nous allons vivre. Amen, l'Église. Quelles que soient les circonstances qui sont capables de produire la mort, mais nous sommes capables de dire nous ne pouvons pas mourir, mais nous vivons. Nous vivons à cause de Christ. Nous vivons à cause de la résurrection de notre Christ, notre Sauveur. Yes. Avec résurrection, ça, Jésus-Christ crucifié pour nous le vieil homme. Il crucifié le vieil homme. Il crucifié le péché, nous. Il crucifié pour nous-mêmes. Il retire dans nous-mêmes le péché qui embarrassait nous. Je dis à Mbakonin qui péché, qui aliéné nous. Qu'il faut sentir que vraiment que vous séparez ou bien coupé de Christ, ou coupé des activités spirituelles, ou pas une sensibilité encore, you have no feeling in you. But today, whatever the circumstance, Paul dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Nous reconnaître que le vieil homme qui est dans nous-mêmes, cette nature pécheresse, il est cloué à la croix. Déjà, crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. C'est que corps ça que nous aimons, très certainement, it's going to have to go. Nous prenons soin, nous travaillons en pile pour lui-même. Nous faisons tout ça que nous sommes capables de nous défendre. But this body has to go. Faut que ça, d'y aller. Peut-être son nouvelle qui va faire qu'on est content. Parce que tout le monde voulait vivre éternellement. On dit Maxime qui dit tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Yes, nous connaissons que là, nous connaissons que nous devons quitter tout enjoyment ça. Sous terre ça,
Nous connaissons que y a une tristesse qui est capable de venir la donner. Pour nous joindre du réconfort. Yes, ce corps mortel que nous avons doit être détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous connaissez quand vous êtes là, vous pas péché peut-être visiblement, mais dans la conscience, vous pas péché. Amen l'église. La conscience ou pas qu'à bloquer une série de bagailles pendant chita là qu'à attaquer main nous. Une série de bagailles qui attaquer ou dans conscience qui attaquer cœur qui met nous dans situation. It even change your mood. Mais ça fait me connaître que nous libérer de toute bagaille ça yo. Ou qu'on a gien monde qui pas jamais yo pas gien monde qui ca dire que jamais commettre adultère. Mais dans l'esprit nous dans conscience nous. Nous fait pas mal d'adultère. Mais gloire soit rendue à Dieu. It's okay. Parce que bon Dieu libère nous. Amen. Par Jésus-Christ. Et qu'on l'a tout bagage pour fini. Amen, l'église. Bagage qui a fini, c'est bagage qui n'a pas qu'à agir. Bagage qui est plus grave. Il y a des gens qui ne sont pas qu'à criminel, mais dans la conscience, ils tuent les gens chaque jour. Ils ne pas seulement regarder, même ça. Barbecue a fait Haïti, il a fait le même genre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Tout bagage qui est pour finir, fini. Et il faut nous penser avec ça pour que nous soyons capables de vivre une vie chrétienne. Parce que vous savez, les chrétiens qui vivent, ils ne peuvent pas vivre. Ils ne peuvent pas vivre. Because where we are, we're supposed to be a huge party. Ils ne vivent pas. Non, nous venons dans le lieu d'adoration, ça. Nous dit, c'est le jour du Seigneur. C'est le moment d'adorer notre Seigneur, de le louer. Ça dit que, femme d'avoir que son moment d'exubérance qui t'a gagné dans la présence de mon Dieu. Mais tant pis, fois, nothing moves us. But thank God, ça supposé fini. Paul dit non, péché rend nous powerless, but the resurrection of Jesus Christ. For us, make us strong. Amen. Résurrection, Christ a fait nous vivre fort. Et ainsi, il dit nous pas esclaves péché encore. In verse 7, yes, car celui-ci, yes, car celui qui est mort est libre du péché. Moun qui mourit, hein? Ok, il est libéré dans le péché. Le péché n'a pas de pouvoir sur lui encore. On nous dit merci Seigneur pour résurrection ça. Merci Seigneur pour résurrection ça. Yes, dis merci pour résurrection ça. Parce que c'est lui-même seul qui est capable de libérer nous dans la façon ça pour que nous sommes capables de vivre. Yes, l'apôtre Paul continue dans le même texte ça que nous jouons dans le verset 17 du texte. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Mais dans toute bagaille ça yo nous recevoir grâce. Pas qu'un petit bagaille qui puis belle l'homme on dit nous faut grâce. Combien qui recevoir grâce dans vieux déjà. À ce gain monde peut-être qui te gon gros l'argent oh là là mais this one. This one nous capable associer nous avec lui. En petit étudiant cal dans pays, cal dans l'école ici qui dépense un paquet l'argent pour que capable acquérir connaissance yo. Yo prend un bachelor's degree, yo prend yon master's degree, et les abgade, yo doué over 100,000 plus dollars. Et then, bon Dieu te réserve un temps pour le dire comme ça que ma pelle yon président pral fourre men nan programme ça pour li pral vou aller debt free. Attendez, amen. Ah, ça veut pas que mon gen collège petit de ta pays ici, ya? Parce que les petits mouns, nous avons ça que les tellement doué l'argent pour l'éducation, ils ne sont pas jamais capables de procurer un cahier. Ils ne sont jamais capables de devenir quelque chose parce que la dette a pesé nous sur lui-même. Mais là que, dans l'année ça qui passait là, combien de billions de dollars allaient pour qu'ils soient capables de libérer un paquet de monde qui étudie dans le pays, ça qui dette a pesé sur eux. Moi, je les ai en grâce. Moun qui est d'accord avec moi dit son grâce. Amen. Son grâce liée.
Yon grâce un bagage que ou pas capable de tête tout la dernière, ou pas capable libérer tête tout la dernière. Bon Dieu ouvre porte là pour. Bon Dieu font miracle fait pour et c'est lui même seul qui est capable de faire. Et là, elle arrive pour le délibérer de façon ça, quel que soit sacrifié, les libéraux, les libéraux, net. Parce que c'est décision pâle pour le libéraux. Amen, l'église. Parce qu'en pile, il faut nous connaître que la liberté que nous jouons dans la résurrection de Christ, il y a des gens peut-être qui ne manquent pas à comprendre ça. Yes! On libère. Pas que de ça, grand-papa, nous devons faire. Même pas esclave péché, ça, on ramène l'église. Parce que me libérer. Paul dit yes, mais grâce soit rendue à Dieu. De ce que, après avoir été esclave du péché, nous avons obéi du cœur à la règle de doctrine par laquelle vous avez été instruit. Parole ça qui vient joindre nous, qui instruit, qui forme, qui. Libérer conscience ou. Il ne faut pas mener même vie ça encore. Amen, l'église. Ça fait que moi, avec nous, pas devons être ignorants de la parole. Il faut nous connaître là-bas, la parole. Il faut nous connaître qui ça, bon Dieu, dit nous. À qui que le bas nous. Pour que nous soyons capables de marcher comme monde qui fruit. Parce qu'on n'est pas chrétien qui vient libérer. Le sang de Christ libéré. Bon Dieu, dans le ciel, a libéré. Mais il a marché comme des bossus parce que vous ne connaissez que vous libérez déjà. Oui, nous besoin que Paul t'ait prêché, mais ça. Et au verset 18, il dit, mais il était affranchi du péché, comme des mondes qui libéraient du péché. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Oui, nous capables devenus esclaves de toute, de la loi, de la justice. Mais, no matter what, ça bon Dieu fait pour nous, le fait le déjà. Ça bon Dieu fait pour nous, il fait déjà. So, je dis à mes frères et sœurs, son raison après avoir fêté la Pâque, pour que nous capables toujours être joyful, pour que nous capables toujours porter message ça aller, pour que nous capables toujours connaître ça nous joindre de lui-même. Et message ça t'est libéré, ça qui t'est passé en vent. Il doit une source de liberté pour nous-mêmes, je dis. Il doit une source de liberté pour nous-mêmes, je dis. And the very next thing that we can believe, nous capables reconnaître à cause de la résurrection de Christ là. We are alive. Nous avons la vie dans nous-mêmes. We are alive in Christ. Nous avons la vie dans nous-mêmes. Si nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas nous-mêmes qui vivons, mais c'est Christ qui vit dans la vie. Il faut nous déclarer que nous avons la vie dans nous-mêmes. En dépit de toutes circonstances, nous avons la vie dans nous-mêmes. Pour quelle raison? Premièrement, parce que nous avons déclaré que nous avons la vie dans nous-mêmes. Parce que, because la résurrection de Christ, bah nous. Un cœur nouveau. Amen. And let's go to Ezekiel. And let's open the Bible. That was preached. Ezekiel chapitre 36. Ezekiel 36. Yes. Au verset 26. Mais ça qu'il dit nous. Il dit, peuple Israël là, je vous donnerai un cœur nouveau. Parce que bon Dieu est toujours là pour libérer le peuple. Il t'a libéré depuis avant Jésus-Christ vini. Elle te mettait prophète pour prophétiser. Que pas oublier, nous c'est des rachetés de Dieu. Nous libérer. Et bon Dieu toujours à suivre nous pour que le capable nous la liberté. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je ne mettrai point. Je mettrai en vous, excuse-moi, un esprit nouveau. Il pas seulement ba nous un cœur nouveau, mais ba nous un esprit nouveau. C'est ça Jésus-Christ vini, il vient renouveler pour nous-mêmes mes frères et sœurs. Amen. So aujourd'hui à nous capables de sentir nous plus proches de Christ parce que il réussit bataille là pour nous. Amen. Il sorti victorieux là dedans. Et ça fait que je dis à parole soit qui t'est prêché, ça que bon Dieu te fait pour le peuple dans l'ancien temps, nous joignons encore aujourd'hui. Mes frères et sœurs, dis merci Seigneur pour un cœur nouveau que le bas aujourd'hui. Il y a un cœur qui n'est pas condamné encore, mes frères et sœurs. Il y a un esprit qui n'est pas d'autre esprit, mais c'est l'esprit de Dieu qui a mené, qui a conduit. Chaque jour, capable de dire, conduit par toi, céleste guide.
conduit par toi, le Saint-Esprit, qui me guide chaque jour, qui me console. Et par ceci, je me dirige vers toi, vers les cieux. Donc, mes frères et sœurs, vive de parole ça. Et il dit, le verset 27, il continue pour le dire, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » Ma faire en façon pour que vous capable vivre, pour que parole ne soit pas obsède. Quand il y a des gens qui disent, « Frère, là, la Bible prêche, c'est mauvais ou mauvais. » Il y a des gens qui ne peuvent pas marcher dans l'église qui prêchent la Bible parce que la Bible ouvre, ils mettent les mains sur le péché. La Bible ouvre, il montre exactement côté problème. Il y a des gens qui allaient plus dans l'église côté que Dieu, ils ont des histoires. Fait rire, fait voler en l'air. Mais ils ne savent pas exactement what is wrong and what needs to be fixed. Et qui bagaille pratiquement, qu'on libère de lui-même déjà. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes capables de comprendre le sacrifice Christ là dans la résurrection. Je mettrai en vous mon esprit. C'est ça, Jésus dit aujourd'hui. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Pour que nous capables de suivre la parole. Moi. Pour que la parole soit capable de mettre la vie ça dans nous-mêmes. Et pour que vous observiez et pratiquiez mes lois. Pour nous mettre en pratique. Combien de monde veut pratiquer les ordonnances de Dieu? Je veux dire, nous ne sommes pas capables d'être dans la fabrication encore. Nous ne sommes pas capables d'être dans le chrysocal encore. Qui est-ce qu'on semble dire? Tout objet qui n'est pas objet précieux, c'est comment il y a le chryso? Ah bon, nous ne sommes pas capables d'être dans la fabrication. Je suis en Haïti, il n'y a pas trop longtemps. Tout bagaille qui n'est pas métal précieux, il y a le métal inférieur, il y a le chryso. It's time to stop buying chrysocal. To buy the real stuff, the real deal. Amen, mes frères et sœurs. Pour acheter bon métal précieux, Jésus-Christ, c'est métal précieux, ça, que le banon. Côté que, en dépit de toutes circonstances, nous sommes capables de libérer nous. Parce que métal précieux, c'est objet précieux, ça, qu'on gagne. Sous barrel débat, il débarre. Amen. Sous barrel débat, il débarre. Je veux dire, vous faites connaître que surtout avec ce qui a passé dans le monde financier, en pile, le monde qui a l'argent liquide dans la main, qu'on mette dans le basement ou qui arrive bien haut, ou à cacher, mettre l'argent, tout l'argent, ça, il faut convertir en quelque chose de précieux parce que l'argent a perdu va. Oh, non, pas faire la page, semble. L'argent a perdu va, valeur. Et puisque l'argent a perdu valeur, c'est le moment ça, pour qu'on soit capable de prendre l'argent ça, ou sécuriser avec de l'or. Parce que l'or n'a pas perdu va. Mes frères et sœurs, la résurrection de Christ, c'est de l'or pour notre âme. Amen d'église. Et c'est garanti ça que nous gagnons. Et qu'il est capable de libérer nous, de délivrer nous, de nous capable de compter sur lui. At any time. Il y a un cœur nouveau. Deuxièmement, toujours dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 27, il dit, il pas seulement nous un cœur nouveau, mais un esprit nouveau. Et troisièmement, il bat nous aussi un chant nouveau pour nous chanter pour le Seigneur. Il bat nous un chant nouveau pour nous chanter pour le Seigneur. David dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Là, David dit, un cantique nouveau, c'est parce qu'il n'est pas fait qu'il fait écrit long. Mais chant ça qu'on chante avec tout corps là, il toujours paraît tout neuf dans les oreilles, bon Dieu. Amen l'église. Il toujours paraît new dans les oreilles, bon Dieu. Avec moi, avec vous. Nous devons reconnaître que nous libérer. Là, nous venons pour nous chanter pour nous. C'est vraiment plus que jamais pour nous venir regarder côté qui ont bon ben qui a frappé pour nous rouler comme nous. On n'est pas sorti dans nous. C'est le moment pour chanter la gloire de Dieu. Même Jean David t'a fait, lui danser devant mon Dieu. Lui frapper men, lui frapper tambour. Lui pas de gueule, regardez, bon Jean Bling, ça nous gagne, qui écoute nous coupe quantité de l'argent. David pas de ça. Mais lui frapper devant mon Dieu. Pour quelle raison? C'est quel cap chanter pour bon Dieu. Combien de monde qui l'a cœur de chanter pour bon Dieu aujourd'hui? Combien de monde qui l'a cœur de chanter pour bon Dieu? Si je vous dis à vivant, Seigneur, c'est grâce à vous. Je chante pour vous parce que sans vous, je ne peux pas rien.
l'aime changer côté m'tayé béni bon Dieu m'nan. Parce que le te prend non vallée et moun c'est non vallée bon Dieu prend yo en pile moun ki chita là comme les nous en public là c'est nous comme pas ouais nous en pile maman m'a regardé là yo chita comme si yo pas de personne. Il n'y a pas de personne en rien. Et c'est l'attitude que vous gagnez. Parce que vous n'y a pas de Satan en rien. Amen. Il n'y a pas de diable en rien. Mais mes chants, ça. Je ne suis pas esclave. Péché encore. Moi, c'est petit bon Dieu. Yes! Ou pas esclave, péché encore. Parce que bon Dieu, bah, ou Jésus-Christ, qui paye d'être là pour vous, et lui valide, lui, mes frères et sœurs. Yes, chantez pour bon Dieu. Troisièmement, dans le psaume 40, verset 3, nous j'ai une psalmiste en lui-même, il chantait pour bon Dieu. Et dans Apocalypse chapitre 2, le verset 17, Jésus-Christ lui-même, ça le fait. Il dit, bah, nous, nouveau. Let's go there very quickly. Apocalypse chapitre 2. Chapitre 2, le verset 17. Let's go there very quickly to see what we get there. Parce que c'est Jésus-Christ qui dit ça. Mais ça, Jésus dit. Combien de gens veulent prendre encore? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Moun qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce que si vous n'avez pas des oreilles pour entendre, il y a deux délivrés. Vous avez dit, ah. Il y a deux comme ça, vous n'avez pas besoin de perdre la mort. Vous avez dit, il y a du gade, diable racial, pas qu'à faire courant, encore. Dit, hein? Pour qui raison? Parce que, ou tendez, mais on ne pas comprendre. Mais le Seigneur, pour qu'on soit capable de tendre, pour comprendre. Entendre ce que l'Esprit dit aux églises. L'église là, ce n'est pas building, non. L'église là, c'est vous-même qui l'a. Message Jésus pour vous, aujourd'hui, pour tout vivre, liberté, m'baou. Vive la vie que m'baou. C'est pas bagaille moun baou, mais c'est moi-même qui baou. Moi paye pour lui et c'est pour lié. On ka fait avec bagaille moun qui pas pour yo tout suspect. Moun ka fait avec bagaille moun qui pas pour yo, yo toujours suspect. Après l'okay bon Dieu pas suspect du tout. Amen l'église. Bah qu'on ait n'importe qui circonstance qui a passé dans la vie ou bah qu'on ait whatever ça que dans mon qui pas beau ça que dans mon c'est vol au vol elle ça qui ou qu'on ait que c'est dans fou ou gain sont ces deux conditions qui gagnent à la go non état d'esprit. There's freedom. Jesus Christ gave us the freedom by the resurrection of Jesus Christ. Amen l'église. Je dis, ah, c'est ça qui fait que nous comptons. Ça fait monde qui les oreilles pour tendre, tendre. Celui, il dit à celui qui vaincra. Monde qui va passer dans la tribulation, ça, parce que it's not easy. Il n'est pas facile pour tendre, il n'est pas facile pour accepter. Ou toujours décourager, ou toujours pas comprendre. Ennemi créé aux situations. Mais il dit à celui qui vaincra. Je donnerai la manne cachée. Monde qui va réussir, qui a résisté dans le moment, ça, vraiment. Seigneur, again, you have something good. You have something new que le réservé pour nous-mêmes. Amen, mes frères et sœurs. Il parlait de la manne cachée. Les Israélites étaient dans le désert. Ils étaient grand goût, mais ils étaient besoin de manger. Amen. Mais bon Dieu était serré en délivrance pour nous dans le désert, saleté et en manne. Amen, l'église. Il y a quelqu'un là, bon Dieu, qui a une manne réservée pour nous-mêmes. Amen, l'église. Alors, pas qu'à comprendre ça. Quel monde, bon Dieu, qu'on bagaille spécial réservé pour vous-même. Pour quelle raison? Parce que vous avez souffert, vous avez lutté avec Jésus. Vous avez quimbé, vous avez résisté avec Jésus. Vous avez cherché moi pour aller la fois pour contourner, mais puisque Jésus nous passe là. Puisque Jésus nous campe là. Puisque le Seigneur nous a dit, regardez, campez avec moi. Je passe avec vous. À cause de message ça, ou quitter pour le rester, pour le passer avec vous. Nous n'avons pas besoin de vous. Moment pour la venir, pour célébrer. Amen, l'église.
gen moun bon Dieu réserve au bon pour célébrer là. Pour quelle raison? Pour recevoir parole là. Seigneur a dit le combat caché pour le recevoir pour même les réserver pour même. Il dit je lui donnerai moun qui résiste un caillou blanc. Et sur ce caillou est inscrit un nom nouveau, le nom de Jésus. Sur ce caillou est inscrit un nom nouveau qui est le nom de Jésus. Que personne ne connaît. Et ce n'est celui qui le reçoit. Pas qu'il y a un monde qui connaît. C'est seulement le monde qui reçoit là pour qu'on sache qu'on reçoit. Mes frères et sœurs, je me sens que j'ai une confiance dans mon Dieu vraiment. Bon Dieu, c'est bien quelque chose qui est confidentiellement pour quelque monde. Mes frères et sœurs, lesquels qu'ils confidentiellement jusqu'à ce que vous joignez, jusqu'à ce que vous vivez de lui-même. Ça fait moi aimer Jésus. Ça fait moi vivre pour Jésus. Combien de monde qui est excité about Jesus aujourd'hui? Il y a quelque chose de nouveau, de neuf que le Seigneur pour nous-mêmes. Oui, le nom de Jésus. And lastly, because of the resurrection of Jesus Christ, we have a new beginning. Nous avons un début encore avec le Seigneur. De Corinthiens 5, 17 dit nous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. It's a new creature. Avec Jésus, yes, nous sommes nouvelles créatures. Bagay ancien est passé. Jésus prend le beauté, il fait divinité comme son gros avalanche. Il partit avec eux. Quand il y a le banon, il y a une voix nouvelle. Et on vit nouvelle avec Jésus. Say, let's say, God, thank you for this new beginning. With you, we can start over. Avec vous-même, nous allons commencer encore. Avec vous-même, par une conclusion finale, parce que vous-même, vous pouvez faire conclusion pour là, mes frères et sœurs. There's a new beginning. Nous nous disons un début nouvelle. Pour moi-même, ensemble avec vous. Que moun ki découragé, bon Dieu réserve un bagage tout neuf pour vous-même. Que moun ki désespéré, Jésus vini, gardez avec moyen ça. Pour le faire connaître que vous mettrez tant de moyens, m'pabli. Amen, l'église. Oh, get excited of this new beginning. So, mes frères, c'est ce message ça que Jésus-Christ a porté pour nous-mêmes. Pour le faire nous connaître que He is the new way. C'est lui-même qui, comme il dit dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. That is new way, nouvelle voie ça, que me cacher, que me créer pour nous-mêmes. Non. Route ça n'a pas jamais existé, du prêt à désobéissance par an. Tout le temps, l'autre qui m'a libéré avant nous, ils ont payé le prix de leur péché, sous la loi, mais moi-même, pour de la grâce venir. Et à cause de cette grâce que je peux venir, je fais un nouvel chemin pour nous-mêmes. Je fais un chemin dans le désert, côté que pas de chemin. Bon Dieu, qu'on fait route, côté que pas de chemin de route. Ça fait le délai de travail. Nous ne pouvons pas comprendre. Mais certainement, la font route pour nous. On nous dit, bon Dieu, merci, je vous dis. Parce que he's this new way. Et il fait un nouvel chemin pour nous-mêmes, un nouveau chemin pour nous-mêmes. Mes frères et sœurs, que bon Dieu bénisse aujourd'hui. Que vous marchez dans le chemin, ça Jésus tracé pour vous. Chemin n'est pas facile. Chemin est étroit. Il est difficile. Comme Jean dit nous, chemin n'est pas facile. Mais Jésus a marché avec nous. La portée, fade nous. Grâce. Amen. On nous dit grâce. Moun qui pas dormir, on dit grâce. Moun qui pas dormir, on dit grâce. Dis le fort monde qui va te l'attendre, dis grâce. Grâce. Grâce fait que nous réjouissons. Amen, mes frères et sœurs. Et c'est pour une réjouissance petite là-bas, nous. Là-bas, nous réjouissons sans limite. Alléluia. Là-bas, nous réjouissons sans limite. C'est que le monde, je dis, ce n'est pas comme qui fait que vous êtes content. Le monde qui fait que vous êtes content, ce n'est pas l'Amérique qui fait que vous êtes content. Gen moun jodi a, c'est pas pièce opulence nan monde ça qui fait que yo content, mais c'est ça bon Dieu a fait dans la vie qui fait que yo content. Amen. Mes frères, c'est que cœur capable content,
que vous êtes capable de vivre de résurrection Christ là. Que vous avez un message à partager. Puis, pas honte de message ça. Pas une pièce good news. Je dis, père, ouvre le téléphone. Non. Depuis mon vrai téléphone, il y a une notification qui monte. Quand on ne parle pas à la cédère, mais non. Parce qu'il faut pourrir maillon. Il faut pourrir l'esprit avec vie nouvelle. Avec fatra. Parce que c'est ça, monde l'a porté la donne. Et les que corps beauté ou vraiment, ou à lever dominant, fatra. Dormir lever dans fatra. Je ne parle pas de fatra la carnou, je ne parle pas de fatra in your smartphone. Oui, Seigneur a délivré de mes frères et sœurs. Allez, même Jean-Paul te dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Allez prêcher message ça, mes frères et sœurs. Il y a trop de gens qui cherchent des petits conseils, mais conseils n'ont pas marché encore. Gen pile moun nous parler dans zoyo à 2h du matin à 4h relé nous gen moun ki pa konn ki lè pou relé nous même yo relé nous à neuf des fois yo son téléphone jusqu'à ce qu'on réveille dans fond sommeil yo dit elle on crache téléphone ça vous fait mal ça ouais tellement mourir même garder faire ça là garder tout son té bayo rien pas marché. Mes frères et sœurs, c'est Jésus-Noir. C'est lui-même qui solution au problème. Collé sous Jésus. Ma fin avec vous là. Collé sous Jésus. Les moments sont noirs. Les routes sont très dures. Collé sous Jésus. Collé sous lui. Il n'y a pas de bouquet avec vous. Il n'y a pas de déception. Quel que soit l'or, il est là. L'étendez-vous. Quoi seulement, et puis à vivre. Que bon Dieu bénisse. Que les encourage. M'a pleuvé, mais fait bon Dieu sentir. J'en me connaissant pour l'évangile que m'attendait sans pas payer. Mais on fait bon Dieu sentir, j'en reconnais ce matin. M'a pleuvé, mais fait bon Dieu sentir, j'en reconnais. Moment ça pour nous faire une prière de reconnaissance pour la résurrection de Christ. Chrétien, si Jésus n'est pas ressuscité, quel que soit Chili Chitin t'a fait aujourd'hui, là, toute bagaille sera en vain. La foi qu'on gagne aujourd'hui est en vain d'après la Bible. Mais puisque Jésus ressuscité, nous pas esclaves péché encore, nous pas esclaves la honte encore, nous pas esclaves pérèse encore, parce que nous c'est petite, bon Dieu, levez-moi.
et levez voix. Seigneur, papa, qui est dans le ciel là. Seigneur, nous n'avons jamais reconnaissant pour la croix. Seigneur, nous voulons dire merci pour la croix, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Merci Seigneur Dieu de ce que vous t'es retiré la mort que nous t'es dû prendre. Seigneur Dieu, vous t'es mouru en place nous. Et aujourd'hui, à nous gagner la vie qui ne va jamais finir. Nous gagner la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et Seigneur, maintenant nous reconnaissons de ce que la résurrection, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Nous vous remercions maintenant, Seigneur Dieu, de ce que nous avons levé mais nous. Fait bon Dieu sentir, j'en reconnaissant. Ce n'est pas l'argent qui t'est payé, péché nous. Ce n'est pas l'argent que nous t'es gagné pour nous être capable de racheter tête nous. Non, mais Satan le diable. Mais Seigneur Dieu, c'est en grâce. C'est en grâce qu'on fait nous maintenant. Et nous vous remercions, Seigneur Dieu, de ce que nous ne prenons pas ça, tant que nous avons liberté pour nous rester dans le péché, et chaque fois pour nous pécher, pour nous dire que nous avons grâce là. Mais Seigneur Dieu, nous ne voulons pas habiter avec péché encore. Nous ne voulons pas pécher pour la première place dans la vie nous encore. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, bagaille dans le monde ça, Seigneur, qui a plus importance, Seigneur Dieu, pour nous-mêmes encore. Parce qu'à chaque fois que nous songeons que vous êtes mort pour nous, ou êtes rentré dans le tombe et vous êtes ressuscité, Seigneur Dieu, nous ne pas prendre la vie, nous n'importe qui, Jean. Et Seigneur Dieu, nous te remercions pour parole, ça yo. Que l'apôtre Paul te banou dans Romains chapitre 6, qui dit nous consacre à chaque fois que nous te plongeons dans les eaux du baptême, c'est un coup moins nous te mourir avec péché, nous yo, et nous ressusciter, même j'en t'ai ressuscité, Seigneur. So, therefore, Seigneur Dieu, maintenant nous ne pouvons pas arrêter, tant que moun qui porte cocon Christ là, moun, lorsque nous porte cocon, Seigneur Dieu, nous t'allons à côté, nous t'avons fait, nous t'avons fait ça, nous voulons, nous t'avons dit ça, nous voulons, nous t'avons allé, Seigneur Dieu, about our own business the way we wanted it. Mais maintenant, Seigneur Dieu, nous disons merci. Parce que avec sang, Seigneur Dieu, maintenant nous gagnons la bonne nouvelle. Merci pour la bonne nouvelle de ton royaume. Merci pour la bonne nouvelle de ta résurrection. Merci, Seigneur Dieu, d'est-ce que maintenant nous pas esclaves péché encore. Merci, Seigneur Dieu, d'est-ce que tout le monde qui est en Christ, ils sont nouvelles créatures. Et les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur Dieu. Nous demandons pendant que nous avons séparé après-midi à Seigneur Dieu. Nous connaissons un pile obstacle. Nous connaissons un pile difficulté. Nous connaissons un pile mauvaise nouvelle. Nous connaissons Seigneur Dieu un pile saisissement nous qu'a fait pendant semaine. Mais nous disons merci d'avance parce que Seigneur Dieu, ou qui est en prend toute bagaille ça yo. Et ou capable Seigneur Dieu, nous capable dire avec assurance, nous pas peur péché, nous pas peur mauvaise nouvelle parce que Jésus-Christ n'en barre là. Jésus-Christ à la barre, nous pas besoin peur. Merci Seigneur pour ce maintenant, semaine travail là, semaine activité yo, et tout ça au Seigneur Dieu qui pralé, ça est là, dans tout ça que vous avez pu faire Seigneur Dieu. Nous sommes capables de bénir nous, dans la famille nous, on va bénir nous dans l'église là, on va bénir nous dans la machine nous, on va bénir nous en dehors, on va bénir nous dans la ville là Seigneur. Et tout côté passé, nous dit nous bénis, nous sommes champions au nom de Jésus. Nous prions non pas parce que nous bénis nous dignes. Mais c'est dans nos petits tout Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Pasteur frère de la bénédiction finale à la gloire de Dieu. Je suis le pasteur Villebois, de préférence, qui a passé par devant et de prononcer la bénédiction pour nous-mêmes. Pendant que je chante, marie-nous ensemble, à code qui n'est pas capable de casser. Alléluia. Marie-nous ensemble, à code qui n'est pas capable de casser. Marie-nous ensemble, oh Marie.
Amen. Maintenant que la paix et la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence et capacité des hommes, gardera nos cœurs pensant en Jésus-Christ, dès à présent et pour toujours. Passons bonne journée à Sia, que bon Dieu bénisse nous tous abondamment. Amen. Papa, nous avons deux minutes à la gloire de Dieu.